Allez, tiens, voilà ton thé. Allez, vas-y, c'est de la bonne, man. Vent corrompu, tempête accablante, c'est le signe d'une trahison. Waouh, t'es en plein trip. Et Bon. un Mauna en détresse? Non, Onara serait-elle en danger? Ok, ça c'est un bad trip par contre. Quelle nouvelle m'apportez-vous? Faites au mieux. Allez avec la bénédiction d'Onara. Le message de la canne sans soc. Comment se passe la chasse? Alors, on va faire notre choix avant de... De toute façon, j'ai l'impression que coucou. Ok, cool, le coucou, le coucou, stache, tache. Alors, clairement, je pense que c'est le premier, hein, le sautoir Nako. Noko, pardon. je me joindrai peut-être à vous la prochaine fois. Oh, ça va, ça a l'air d'être gratuit, c'est 1200 d'XP, il faut. Quel clan œuvre la sauvegarde des traditions de nos ancêtres? Guide des Marouks. Oh bordel, d'accord, c'est un questionnaire à la con. Bah je dirais. Je dirais que c'est Terré. Quel clan rassemble les centaures de toutes les plaines ayant développé un talent avec la tête, hein? C'est les Onir. Quel clan a pris l'ascendant le plus récemment et possédé la plus grande force militaire permanente? Ce sont les Nogo. Putain, et les mecs qui ont. Comment? Qui ont rushé les quêtes sans les lire, là ils sont dans la merde. Là ils sont dans la merde. Là moi ça me fait marrer. Hop. Quel le clan cultive tout particulièrement l'art de la chasse et traquer du gibier dans l'ensemble de la plaine? Bah les Onir. Faux. Réessayez. Ah ouais mais alors là c'est... Ok, mais je les ai pas vus ceux-là. Les clans des plaines. Allez hop. Le sautoir. Faites place! L'émissaire du vol draconique vert est Alors. arrivé! Ah! C'est un Intéressant. honneur pour moi de représenter mon vol. Cela fait bien des années que nos peuples n'avaient plus été en contact. On m'envoie quérir de l'aide auprès de votre Kanamatra. Faites-lui savoir que je suis prête. Ah oui, parce que ça c'est la quête secondaire, ça, on s'en tape en fait. Alors, juste avant, j'ai besoin d'une petite pause. J'en ai pour un instant. Bien, je suis de retour. Hop, on est parti. Enfin, on était venu pour ça à la base, hein. Alors, non, attends. Alors, juste avant de lire ça, excuse-moi, mais ça, c'est important. Je voudrais voir aussi combien de... Ouais, je gagne un e-level avec ça. C'est bien.
On est content. Ça, du coup, je peux pas aller le truc. Et puis ça, ouais, ok. On va en profiter rapidement aussi. Parlez-moi. On va faire un coup de mammouth. Exceptionnel, bon, ok. Revenez vite! Ouais, intéressant. T'as plus 53 d'endurance. Et on est à 100k! On est à 100k de vie! Yes! Ça, ça fait plaisir! Je dois bien avouer que je n'ai jamais quitté les jardins d'Emeraude, ce qui veut dire que je n'ai jamais croisé... Votre soutien est le bienvenu. Nos troupes sont peu nombreuses. Nous qui entretenons ces terres sommes pour la plupart des spécialistes du jardinage et non du combat. Bordel, mais c'est vraiment la plaine des... Nos jardins abritent un portail vers le rêve d'Emeraude. Nous ne pourrons pas réactiver notre pierre de vœux sans troupes pour nous protéger des attaques des primalistes. C'est vraiment une bande de hippies. Je dois bien... Méritera compte sur la Kanamatra pour honorer le pacte de ses ancêtres et nous aider en ces heures sombres. C'est bon, t'as fini ou... Je n'ai jamais quitté le jardin, ce qui veut dire que je n'ai jamais croisé de centaures, et encore moins de créatures mortelles du continent. Mais, enfin, jamais quitté, t'es bien né dans la couveuse qu'on a vue précédemment. Cela étant, je ne suis pas là pour une visite de courtoisie. Non, je viens implorer les centaures de nous aider à sauver notre pierre de vœux et à protéger notre charge. C'est un plaisir de voir que vous êtes aussi venus pour apporter votre aide. Nous avons beaucoup à nous dire. Apprenez en plus sur la situation dans les jardins d'Emeraude. Et on va voir un ami et un peu d'XP. Bon, ok. Ouais. Alors ça me plaît moyennement parce qu'on s'approche vachement du donjon là. Ah ça c'est ça? Votre soutien est le bienvenu. Nos troupes sont peu nombreuses. Nous qui entretenons ces terres sommes pour la plupart des spécialistes du jardinage et non du combat. Non, faut que je lui parle. Nos jardins abritent un portail vers le rêve d'Emeraude. Nous ne pourrons pas réactiver notre pierre de vœux sans troupes pour nous protéger des attaques des primalistes. Nos jardins abritent un portail vers le rêve d'Emeraude. Nous ne pourrons pas réactiver notre pierre de vœux sans troupes pour nous protéger des attaques des primalistes. Je ne peux pas rester en territoire centaure. Je dois retourner au jardin au plus vite. Il méritera compte sur la Kanamatra pour honorer le pacte de ses ancêtres et nous aider en ces heures sombres. Je ne peux pas rester en territoire centaure, je dois retourner au jardin au plus vite. Le Kanam Mantra a accepté d'entendre notre appel à l'aide. Elle attend mon arrivée au sommet du Krutal, le bâtiment au centre de Marukai. Je dois d'abord m'entretenir avec elle en privé, mais vous pourrez ensuite vous joindre à nous. Présentez-vous au garde Kanat. Pour participer à l'audience de Gemina. Ok, bon. Je dois parler à la Kanamatra. De grâce, rejoignez-nous dès que possible. Ah, c'est loin. Ah, c'est en haut.
quelle route vous amène. À bien. Cinématique. Les Marouks aussi ont subi les exactions de ces primalistes. Si Onara le veut, je sonnerai dès demain le corps de Druzhal pour officialiser notre accord avec le vol draconique vert. Méritra, fille d'Izera, vous est reconnaissante de... Reconnaissante ? Les dragons n'ont de respect que pour leurs semblables. Plus jamais les Marouks ne verseront leur sang pour cette ville. En tant que Kanam Matra, c'est à moi seul d'en décider, Malakar. Un chef digne de ce nom n'abandonnerait jamais nos terres à des mains étrangères. Ça reste, vous bafouez la mémoire de Marouk Milos. Soumettez-vous. Non, ces plaines appartiennent aux Marouks. Les Maroukai appartiennent aux Nokus. D'accord, ok. Quel manque de bonne manière. Adieu. Balakar déshonore son clan, aveuglé par sa soif de pouvoir. Il l'entraîne dans la tempête. Leur trahison est un signe de faiblesse à Batelé. Tuer 10 membres du clan Nanoko. Ok. Puisse votre famille. Vous n'êtes pas digne de moi, centaure de pacotille. Bahir, occupe-toi de ces vermines. Bah, pas de soucis, hein, vu comment je les ai défoncés tout à l'heure. Je vous ai dit, je les prends à 10 contre 1. Sans aucun problème. Je les prends à 10 contre 1. Regarde ça, il y en a déjà 4 qui ont été abattus là. Tout va bien. Allez, ramène tes potes. Attendez, juste, hop. Vous n'êtes pas digne de moi, sans ordre de pacte. Bahir, occupe-toi de ces termes. Je suis trop loin. Une bonne chose de faite. Vous êtes ouverte. Okay.
Mais je voudrais sélectionner ça. Bon. Bipède. Bon bah comme ça va être fait. Ah oui non c'est Bahir, c'est son bras droit qu'on va buter. Je pense que c'était directement le mec. Ah puis on récupère tout ça. Ok. Un nouveau chaperon mais qui est moins bien visiblement. Qu'est-ce que j'ai. Après on checkera quand même parce que parfois le jeu met quand même à jour les récompenses pour... Ah, pour que ce soit plus avantageux. Les Noko se repèsent. Des histoires de guerre de notre peuple, mais en réalité, ces bravaches sont faibles et ne font que jouer la comédie d'un seul éclair de foudre. Ont rompu leur lien avec Onara si les Naro décident d'emprunter la voie de la corruption, provoquer la guerre, qu'il en soit ainsi. Sans surprise, Bahir a été laissé aux commandes pour couvrir sa fuite. Son sang coulera bientôt. Je ne suis pas votre nourrice. Compliqué, hein. Allez, on va même l'attaquer dans le dos. Vous n'êtes pas digne de moi, centaure de pacotille. Ça c'est pour les voleurs, ça. Vous n'êtes pas digne de moi, centaure de pacotille. Bahir, occupe-toi de cette vermine. Voilà, ça c'est fait. Oh. Quoi, je dois remonter? Ouais. Les filles de Tyra vous sourient. L'armée du clan des Noko assiège Murakai. Discutons de ce qu'il convient de faire dans les chambres de Khan. Nous devrons protéger les Marouk. Parler des prochaines étapes à entreprendre. On leur pète leur gueule. Attends, on est trois clans contre un. Ça devrait le faire. Prenez des provisions. Et puis à moi. Le clan des Nokoud a fait son choix. Ces misérables ont trahi les Marouk par appât du pouvoir. La tempête gronde à l'horizon. Les ténèbres approchent. La promesse que j'ai faite à l'émissaire tient toujours. Les Marouk et les dragons vont à nouveau devoir s'entraider. Salutations. Bonne chance.
Balakar va préparer ses troupes à la guerre. Je vais en faire de même, mais nous sommes en infériorité numérique. Comment ça? Ça veut dire que son clan est à lui seul plus gros que les trois autres clans réunis? C'est une problématique. Les dragons nous ont demandé de l'aide avec ces colosses à nos côtés. Nous pourrions combattre sur un pied d'égalité. Pour répondre à leur appel, je dois souffler dans le corps du Drusashi. Mais ceci implique d'obtenir la bénédiction d'Onara. Accepteriez-vous de m'aider? Oh bordel, votre divinité, hein. Allez à Terakai apporter ma déclaration de guerre à mon lieutenant je beauté. Il mobilisera mes troupes et vous conduira au mystique capable de retrouver Onara. Oh bordel, oh. C'est Nous bon, on devons leur pète leur mobiliser gueule, c'est et sauver réglé. Onara avant que Balakar ne mette son armée en action. Attends, faut aller où? Ah, c'est parce que je voyais pas la flèche avec le symbole de dragon. Allez, on est reparti. C'est loin ou pas? Je vois pas où c'est. Les Marouks n'avaient pas connu de conflit d'une telle envergure depuis des générations. Cette guerre va embraser les plaines. Salutations. Prenez soin de la terre et elle vous le rendra. Les Nako forment un clan puissant aux nombreux alliés. Nous devrons mobiliser toutes nos forces pour le résister. MDG le Normand, la Kanam Matra vous fait confiance. Elle a donné l'ordre de rayer nos amis et alliés et de préparer nos congénères. J'ai besoin de votre aide. Allez voir Ojin pour rassembler les gardes du Kanat. Encore sur place. Prévenez l'éclaireuse machin et les Noku risquent de tenter des percées. Et dites à Agura de s'attendre à recevoir des victimes et à Gensai de préparer nos provisions. Quant au Mystique, je vais voir s'il en reste encore à Terakai suite à leur récent départ. Transmettez les ordres aux habitants. Ok, d'accord. Allez, oui, j'accepte la quête. Les Marouks n'avaient pas connu de conflit d'une telle envergure depuis des générations. Cette guerre va embraser les plaines. Tout échange repose sur la confiance.
Cette terre est sacrée. Quoi? Dude. Ma porte vous est ouverte. Cette terre est sacrée. Quelle route vous amène? Puisse votre famille accueillir des filles. Alors avant de continuer, petit fly. Les Marouks n'avaient pas connu de conflit d'une telle envergure depuis des générations. Cette guerre va embraser les plaines. Vous êtes de retour. Avez-vous transmis mes ordres? Non, pas du tout. Portez-vous bien. Les mystiques ont reçu l'ordre de se rendre au refuge d'Oncrété. Il y a quelques jours, mais l'un d'entre eux est resté en arrière et s'appelle Beaucoup. D'accord, ok. J'aime autant vous prévenir, Beaucoup manque de confiance en lui. Mais je vous rassure, c'est un excellent mystique. Enfin... Et vous le trouvez au sommet de la colline du sanctuaire de Donhara. Ce n'est encore qu'un initié, mais il devrait pouvoir communiquer avec Onara et obtenir sa bénédiction. Si la déesse est avec nous, nous pourrons peut-être remporter cette guerre avant même qu'elle n'éclate. Puis-je autant vous prévenir, Beaucoup manque de confiance en lui. Mais je vous rassure, c'est un excellent mystique. Enfin, je crois. Onara, où est ton champ? Soyez bénis et faites attention à vous. Une guerre des dragons, vous voulez que je contacte Onara? Mais c'est impossible, je n'entends pas Onara, je ne suis qu'un initié, et Onara semble m'avoir privé de ses bénédictions. Je n'en suis peut-être pas digne. Beaucoup se met à fouiller dans une sacoche. Lorsque ma tutrice m'a affecté à ce clan, elle m'a confié ses totems et me disant qu'il me renforcerait si je devais un jour douter de mes capacités. Vous voulez bien m'aider à les placer, comme ça je pourrais à nouveau tenter de contacter Onara. Placer les totems, Placer les totems, pendant que je retente de communier avec Onara. Onara, entends mon appel. Ton peuple a besoin de toi. T'aurais-je offensé, mère des vents? Je ne suis qu'un modeste initié. J'ai besoin de ta sagesse. Je n'entends rien. Je ne suis pas digne d'être un mystique. Voyez ce qui échappe aux autres. Pardonnez-moi, je n'ai pas réussi à communiquer avec Onara. Vous allez devoir demander à quelqu'un d'autre de répondre à la demande de Kanam Matra. Voilà plusieurs jours, mes camarades mystiques... Excusez-moi, il est midi. Quelqu'un d'autre répond à un. Voilà plusieurs jours, mes camarades mystiques ont dû se rendre au refuge d'Oncrété à la demande express de la Khan Tagari. Vous les trouverez sans doute encore là-bas. Rejoignez-moi près de la ville. Le moins que je puisse faire, c'est de vous montrer le chemin. Vous trouverez beaucoup rendez-vous le refuge de machin. Ok, d'accord. Suivez votre cœur. Retrouvez-moi près de Tyr Akai quand vous le pourrez. Je vous guiderai jusqu'au refuge d'Oncrété.
Ce n'est pas beaucoup. Okay. C'est peu alors. Excusez-moi pour cette blague. Ainsi, la tempête se prépare. Que pouvons-nous faire ? Vous vouliez me parler ? Ciel clair, mon ami. Nous devons retarder les Nokud, le temps que la Kanam Matra mette son plan à exécution. Ah, bien. Ployez sans jamais rompre. Oh, trop longue les quêtes. Beaucoup a demandé pourquoi j'avais envoyé un message pour demander aux autres mystiques de se rendre au refuge d'Ombre de Crête. Mais ce n'est pas moi. Balakar a attiré mes mystiques dans un piège dans le seul but d'affaiblir le clan Oniris. Cela dit, il y a peut-être une autre raison. Les Noko rassemblent des totems mystiques en très grand nombre, les totems bénis par Onara. Je ne sais pas ce que cherchent les Noko, mais nous ne pouvons pas les laisser s'accaparer le don d'Onara. Récupérez-le plus de totems possible. Nous comptons sur vous. D'après nos rapports, les Noko avaient à leur côté une personne extérieure qui utilise une magie inédite et qui a percé nos rangs comme une tempête. Si les Noko ont des alliés capables de semer une telle dévastation, nous devons obtenir un maximum d'informations au plus vite. J'ai envoyé mon Ouna Altan à la recherche de cette mystérieuse personne. Elle n'est pas encore rentrée et je commence à m'inquiéter. MDG, normalement, pourriez-vous chercher les indices sur cette personne et découvrir ce qui est arrivé à Altan. Sauvez Altan et cherchez des indices sur la personne extérieure. On a des gants, visiblement. Qui sont à chier. Macam, d'ailleurs, en tant que parlant de stuff, je ne parviens pas à communier avec il me semblait que ça, et ça la c'est mieux. Matra a besoin de son aide. Nous n'entendons pas non plus le chant de la mer des vents. La tempête l'a couverte d'un voile. Et ça, c'est mieux aussi. Ce n'est pas ta faute, beaucoup. Là, t'as entendu, c'est pas beaucoup ta faute, mais c'est un peu ta faute. Je vais pas arrêter avec cette blague, je suis désolé. Mais ça aussi, c'est mieux. Je sais pas ce que j'ai foutu avec le stuff. Ou alors, j'ai vraiment pas fait attention à l'avancée du stuff. Ça avance. On a encore gagné 2 e-level. Bon. Du coup, on a 2 mecs à libérer. Merde. Parce que je voulais... Ah. Ok. Oh bon, ça a été rapide. Ok.
Et les fameux totems. D'accord, ok, en fait c'est sur eux qu'il faut les récupérer. Oh. Ah ouais, mais tu déconnes zéro toi le chassou là. Si ma compagne pouvait maîtriser sa classe comme elle. Enfin, c'est comme elle ou comme lui, je sais pas. Humaine, ouais, oui, c'est bien. J'avais bien reconnu la silhouette d'une femme. Enfin, le personnage est féminin, après. Ça peut être un joueur derrière, mais. D'accord, bon, bah, pas de bol, elle a récupéré ses 8 totems. Donc, je devrais me démerder tout seul pour le reste. Je suis à 3 totems sur 8. Et je suis proche du niveau suivant. C'est moi ou son ombre est buggée? Niveau 64. Oui, j'ai un nouveau point de talent disponible. Je vais regarder ça après. Je ne suis pas digne de cette tâche. Ne devrait-elle pas vous revenir? Je dois rallier le clan des Onir. Quant à toi, Goku, tu dois trouver Onara. Bonne route. Tout ira bien. Elenako ressemble à des totems. Les primaristes capturent des Ouma et Onara reste silencieuse. Je ne sais pas ce que fomentent les Noko, mais nous devons les arrêter. Rendez-vous à la cime Champ du Vent avec beaucoup nos adversaires s'y trouvent sans doute déjà. Essayez d'y retrouver Onara si ses enfants sont en danger. Elle tentera certainement de les rejoindre et nous devons l'aider. La mère des vents est puissante, mais ces primalistes représentent une menace que nous ne devons pas négliger. Consultez toujours le sens du vent.
C'est impossible. Même le Khan Balakar n'oserait pas. Au cœur serein, la clairvoyance. Soyez bénis et faites attention à vous. Contrôle de la météo. Cette tempête surnaturelle regorge d'énergie mystique, de toute pont, toute porte à croire que les Noku entraînent. Bon, écoutez, et là, c'est bon, on a compris plus ou moins l'histoire. Hein, je vous avouerai, on va cut un petit peu. Allez là où le vent vous mène. Suivez votre cœur. Il y a quelque chose au sommet. Je vais prendre un chemin détourné. Retrouvez-moi là. Je suis hors de portée. Je suis hors de portée. Il me faut une cible. Le vent souffle votre nom. Ciel clair, mon ami. Soyez béni. Non, donc ça. Ok. Bah, pas de problème. De toute façon, voilà, il est midi et quart. Je vais aller manger un morceau. Et je vous reprends tout à l'heure. Bien. Nous sommes de retour. Les quêtes ont encore bugué. Alors, qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Excusez-moi, il s'est écoulé un peu de temps. J'ai reçu des appels entre-temps, enfin voilà, quoi. Truc classique. Enfant de Nana, hein, parce que Mélisse est tué.
Me souviens pas de ça là. Enfant primaniste. Ça, j'ai pas besoin de les rebuter. On va peut-être utiliser. On va peut-être se balader un petit peu là parce que je. Non, lui, il est pas. Oula! Ouh le lag. Ah, lui je dois le buter. J'ai pas rappelé mon marcheur. Cher cette histoire. C'est bon. Du coup, Primaliste a tué, il m'en manque deux. Il faut que je bute encore deux Primalistes. Ça c'est ok. Chariot détruit. Des chariots? J'ai pas vu de chariot jusqu'à présent. Ah bordel, c'est ces chariots là. D'accord, puis ça. D'accord, sympa le mec, il m'aidera pas. Oh. C'est lui? Non. C'est lui là-bas. Bon, va falloir faire un peu le ménage autour, je crois. Ça, je prends.
Alors, ces fameux chariots là. Que j'ai raté. Là, il y en a un là. Mais... En fait, ton marcheur, il est décédé. Pas en combattant. Ah merde, je suis en statut fatigué. Pourtant, j'ai tout juste de me reconnecter. C'est d'avoir buté le... Bon, on va regarder un petit peu par là. J'ai pas été par là. On passe à travers, hein, au bout d'un moment. Je vois. Ah, là-bas, il y a un chariot. Qui est con. Je refais la même erreur. Mais et trois fois. Hop, allez. Un pour démonter. L'avantage, c'est que quand je saute en l'air comme ça avec mon dragon, les mobs me lâchent. Allez, 3 sur 4. Il est où le dernier chariot là? Elle est où la dernière chariote? Non, là je quitte la zone. Bah non, je viens d'y passer là. Ah ah. Là-bas.